ces moments agréables qu'il nous accorde encore en ces jours de jeudi, c'est ça. Alors nous pensons vraiment rendre gloire à notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant. Merci. Alors merci et salutations à vous nombreux qui nous suivent en ce moment, notre exploitaire fidèle des Génies Congo. Voilà, alors nous pensons que vous allez passer des moments très exceptionnels parce qu'on aura comme ça un invité des marques qui va donner ses différentes propositions pour l'avancement de notre pays. Et nous aurons aussi droit, vous aurez droit à notre docteur, Dr. Athanase, qui va toujours vous orienter sur le plan sanitaire avec l'importance de l'avocat. Donc, quelles sont comme ça les précautions, en fait, l'importance de consommer régulièrement l'avocat, et vous aurez peut-être quelques maladies que l'avocat pourra comme ça soigner. Et nous allons aussi commencer cette émission en remerciant d'abord l'équipe technique. Merci à Mme Karine Bébé, merci à M. Héritier Toubilandou. Merci aussi à Linka Bongo, mon Jambé, et je n'oublierai pas notre très cher Jérém Boka et Remakoro Makonda. Et je vois là aussi dire merci Kifou. Voilà, et Archange Lacou. Si quelqu'un pourra comme ça faire parvenir ces messages à Archange Lacou, vous avez vraiment la besoin d'Archange Lacou. Voilà, parce que c'est lui le concepteur de ces beaux génériques Génie Congo, Archange Lacou. Et si vous avez Doudou Monti, il y a un bon penza, Talaka Kayo, Archange Lacou. Voilà, alors on va aussi d'abord vous présenter notre invité. Il est le président des mouvements citoyens Elongo Nayo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Doudou. Bienvenue, Jackson. Merci pareillement. Donc, je suis Jackson Kabamba Tchouala, coordonnateur du mouvement d'éveil patriotique Elongo Nayo. Elongo Nayo, un mouvement d'éveil patriotique pour le relèvement de la République démocratique du Congo. Merci Jackson Kabamba, c'est ça? Okay. Très bien, on va revenir avec notre invité, parce que c'est la deuxième rue, on va échanger avec lui. Mais à toute première, on va d'abord passer du côté de la régie pour vous laisser suivre Dr. Athanase, avocat et son importance. C'est parti. Merci, merci Balania. Jani Congo, j'espère que l'autre Kolobela, Kabotali, Nguba, Obengi Arachid. Batumingi Baebi Arachid, tout le monde peut, j'espère, hein, parce que ceux qui ont dit que Nguba c'est qu'ils ont arrivé dans la planète haute. Alors Arachid et Ebani sont Nguba, mais sauf que Batumingi sont tous les Nguba, d'autres personnes bien sûr, sont tous les Nguba, ils sont que Nguba Zaka Graine. Mais en réalité, nous avons des fruits souterrains. Donc, nous avons des légumineuses. Nous avons des légumineuses. Au même titre que ma dessous, c'est pas dessous, c'est légumineuse. Il y a des légumineuses. Il y a des légumineuses. Il faut que nous soyons là. Alors, Nguba, d'ailleurs, votre côté maladie soignée par Nguba, avantage au Nguba, mais nous faisons le mot que Nguba a, bon, d'autres personnes, hein, par rapport à l'origine d'Nguba, nous savons que Nguba est en Asie, nous savons que Nguba est en Brésil, vous voyez donc, ainsi de suite, sinon, est en Asie centrale. Mais d'une manière générale, Nguba est dans la famille à Hypogea, donc, Hypogea, voilà une famille, pardon, ne signifie qu'il y a Nguba, mais famille née à Fabassé. Nguba dans la famille à Fabassé. Donc, nous avons fait la question posée, numéro 081-81-14-365. 081-81-14-365, ou bien 089-62-68-038. Qu'on pose une question là, hein? Comment un message, combien gâté, comment un message à 089-62-68-038.
Alors, il disait que Ngouba Azali légumineuse, a même un titre qui est Madesu, et puis Ngouba aussi, Nabi Azali fruits souterrains, Azalaka grainte. Et puis, actuellement, Ngouba Azali a commencé au fruit le plus consommé. Pour ne pas parler graines le plus consommé, Azali fruit le plus consommé dans mon Ngouba là. Alors, et puis, na ba protéine yango, na ba vitamine yango, Ngouba za na ba protéine belé, azan la graisse. Graisse ya Ngouba, eza graisse ya mabete. Azan graisse, par rapport à graisse ya ba, manesse ya poussa soso, ba graisse ya blom soussou, ba nyama, mais graisse ya Ngouba ya li vraie graisse. Et puis Ngouba za na vitamine B, azan vitamine C, azan vitamine E, azana vitamine B3 aussi, Ngouba. Et puis, il dépend aussi, Ngouba dépassera largement Maki. Donc, Moutou Ale Maki, non Moutou Ale Ngouba, Moutou Ale Maki, Ale qui Moutou Ale Ngouba. Mais il y a une personne. Donc, Moutou Ale Ngouba. Exemple, je donne un exemple pour tout se comprendre. Moron Ale Ngouba. Ndeko Doudou Ale Maki. Bah, tout n'y a aussi qu'une question. D'abord, ben, il a bénéficié de la protéine et belé. Ça montre où est lié Ngouba. Comprendre, hein? Parce que Ngouba, ça lié à l'équipe largement. Donc, à l'équipe moussika, moutou à l'é maki, à l'équipe moutou à l'é ngombe, moutou à l'é viande. Ngouba, l'équipe. D'ailleurs, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, par rapport à maï. Si on est là, on est là, et ça aussi, na cholestérol T. Ce que les gens doivent savoir, Ngouba a un cholestérol T. Sauf que ça, Ngouba a un cholestérol T. Non, Ngouba a un cholestérol T. Et puis, Ngouba a parmi les aliments les plus, on va dire bien, aliments le plus concentrés dans ces substances nutritives. Il y a un monde qui a même un mot qui conseille à la banane amiquée. Souvent, quand il y a un Ngouba, il y a un monde qui a bien l'air à Mingi, moi, Ngouba. Mais je vais vous expliquer même aussi l'avantage de Ngouba pour multiplier le pourcentage de la supermer. Comment on peut vous aider, Ngouba? Comment on peut vous aider pour multiplier le pourcentage de la supermatozoïde? Mais je vais vous dire parce que l'émission a vu sur le rebut de la Tamouké. Mais je voulais seulement vous dire que, le 11 décembre, il y a lobby. Nous avons organisé une conférence. Conférence, c'est la carte à Kaifou des jeunes. Thème de la conférence, c'est l'alimentation et les plantes pour éviter et traiter les maladies. Donc, dans cela, on a une fois par année. Parce que pour l'année où le mboula est tombé, le 11 décembre, la banane est sous la vie, et ça, ça vient du lobby. La vie est mes alliés, et l'eau qu'on a une coquille collée, et puis une plante qui est là pour que l'obi qui se voit maladie. Vous savez, dans la banane qui le fait passer, de Rodoudou, les acassons, les mingi congolais, à dire que non, nous n'avons pas compris, pas si, comme ça, nous avons mérité mes colloques, dans une prostate, nous avons beaucoup de l'aliment relié au gros ça qui obika et puis ça nous on les belé au gros un peu préventif mais c'est pourquoi la bise ok. Les 11 au samedi, tu vois, les 14 heures, car les 11 ans. Ça va un jour, mon con. Les 14 heures, si, plus tard, 17 heures, 18 heures, tout c'est ici. Là, je vais vous apprendre. On a la première hémorroïde, on a la première stérilité, on a un amium. On a expliqué, là, on a eu ça, là, par rapport à la plante, on a eu un abisso, soit par rapport à l'alimentation pour éradiquer. Soit si sur la maladie, soit dérangé à caillou. Mais je voulais aussi dire que nous avons le cabal de solo.
Tout le monde est dans la Carrefour des jeunes. Mon épouse m'a pas envie, monsieur n'a pas envie. Au côté de la Carrefour des jeunes, derrière, il y a un rappel de la gare. Au côté de la carte, on a un étage, premier étage, première porte, on a un bureau de Zawana, on a un commissaire comme on a eu. Mais quand ça a été gros, non, ah, il y a eu un peu de mal à la maison, on a offert des. Parce qu'on a loué salle, salle, on a loué. Parce que nous avons fait la responsabilité de la louer salle. Donc, ce qui est la contribution avant, les fils que tu as $10, on va permettre, on se rend bon, on va se poser, on va louer l'eau salle. On prendra, donc on va avoir un beau côté. J'espère que ce n'est pas un livre pour Ozala, pour qu'on bénéficie de la connaissance. Mon souci a toujours été que mon génie, comme on a, cause à peine un génie sur ma alimentation nayo, sur environnement nayo. Oui, ma plante au big ça m'a dit boyé. Et donc on a l'air à la pour la big ça m'a dit boyé. Comme j'ai toujours dit, ma l'air a été pour la rotonde, mais ma l'air a pour être à bonne santé. Tous ont eu là, et nous avons eu un balabisso. Mais la big est numéro 081 81 14 3 6 5. Au moins, ceux qui ont l'ingi, aux ans, la première, à quoi multiplier pour mobilité, dans le volume à spermatozoïdes, dans le sumo boué. Sur les options, mais la massanga, dans le système, on l'air à mingi, ngouba, maï, nalikasu. Comprendre, hein? Moni, nalikasu, non, nalikasu, nangouba, maï, ensemble. Mais si nous avons la première, attention, ma tarando, on l'air à ngouti. Mais si nous avons la tension normale, on l'air à ngouba, maï, nalikasu. Comprendre. Mais j'aime bien. Bon, ceux qui t'en sont mataka, nous relèvons ce qu'on goûte à maï, mais ceux qui ont un tinasraki. Pour la poussière. Tu vois là, ils ont pour la retraiter l'infection pulmonaire. Donc, en fait, ils ont préventif, ils ont fait curatif. Pour l'infection pulmonaire, bakosu, bakoubatir, ils ont multiplié le pourcentage de super, maintenant, mobilité n'est pas. Comme je vous avais dit, que tu as un sous-mélé en haut. Ata aux gens qui ont COVID-19 face à face, qui ont raté, cela ne peut pas péter. Et d'ailleurs, je vous avais aussi conseillé, si vous avez un test à test à COVID-19, les cas de cabinet, vous avez un cas de Carrefour des jeunes, si vous avez un Tijuana, maintenant on a nous appris que vous avez un test à l'aéroport, on pose, parce que vous allez voyager, bien sûr. C'est ça. On a vu que le 11 décembre, non, le 11 au Kaka, tout le monde est à Carrefour des jeunes, la conférence que nous avons organisée, la vie de causant à Tifoya. Termes alimentation et le plante appropriée pour éviter et traiter les maladies. Je parle de maladie parce qu'il y a plusieurs maladies causant à causant. Je sais que ma chaîne est belle, ce n'est pas par hasard on dit chez nous. Ma chaîne est belle, mais je vais me permettre de rouler la chaîne européenne, où on appelle Génie Congo, où je dois communiquer. Alors, ce causant, comme j'ai toujours dit, il y a un hasard et un raté. Ce qui a une tendance de Zolo Kabemba, bien après, dans 089-62-68-038. 089-62-68-038. Comment prochainement, nous avons un peu de côté de merci, bye bye. Voilà, merci beaucoup docteur Athanase pour votre apport louable. Durant en fait, l'année 2021, vous avez participé activement et surtout vous avez aidé la population parce que vous savez, Génie Congo, c'est plus la solution au problème qui préoccupe la population de façon générale. Et vous êtes aussi parmi nos génies que nous tenons là à féliciter pour votre apport. Et nous allons... Avec notre invité, il y a des demandes accrues. En tout cas, on doit faire ça pour nos téléspectateurs nombreux. Donc, Doudou Montieri, je tenais là à présenter le meilleur à
tous nos téléspectateurs qui sont toujours fidèles à ces programmes. Et j'ose croire que cette année 2021 va encore vous apporter beaucoup de bonheur. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour demander à notre invité s'il a quand même des vœux pour quelques personnes, et surtout les membres de votre association Éveil Patriotique. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Tous nos voeux les meilleurs s'adressent particulièrement à tous les membres du mouvement d'éveil patriotique et le Ngonayo. Je vois particulièrement tout notre comité directeur. Je voudrais ici mettre un accent particulier sur un ami et un frère, celui qu'on appelle la dernière carte de la République, les jokers de la République. Socrates Mondengaï, que j'ai salué en passant. Je vois Madame Félicité, je vois Madame Nicole Kalingué, je vois Madame Françoise Lassise, je vois Madame Lydia, je vois Monsieur Blondi Kachama, Hugues Samafundu, notre secrétaire général, et tous les membres sympathisants du mouvement d'éveil patriotique et le Ngonayo, pourquoi pas notre famille biologique. Je pense à mon épouse, Madame Stella Kabamba, à mes précieux enfants, Enjoy Iris et Majesté Moses. Alors, tous mes vœux les meilleurs à vous et à tous ceux qui nous connaissent. Si vous me permettez, la liste ne sera certainement pas exhaustive. Je pense au cabinet Ngwapichi, particulièrement à celui que j'appelle affectueusement à respecter, Maître Carlos Ngwapichi Ngwamashi, ainsi que toute l'équipe du cabinet Mwabichi qui l'accompagne. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je vais très rapidement déjà encore présenter le meilleur, d'abord promoter de la chaîne, Jacob Magombo et à son épouse Marianne Bimba, notre cordon Raphaël Kibuka, et aujourd'hui à tous les personnels et cadres de CCTV. Et je vais aussi penser à tous les membres du cabinet, la VEPM Vazéva Massoudi, VEPM Environnement Développement Durable. Là, je vois le DIRCAB, Yves Kitumba, le vœu le meilleur à vous, le DIRCAB héritier, et le vœu le meilleur à vous, les conseillers qui nous suivent, hein, parce qu'ils suivent régulièrement ce programme, le conseiller Cédric, conseiller financier Cédric Nguindou, le vœu le meilleur à vous, et pourquoi pas aussi la cellule de communication, là je vois Michel Koyapa, le conseiller Michel Koyapa, Maya Yamate et tous les autres, et pourquoi pas la maison Keren, cité des ossements, maison de la prière, avec ses cadres appropriés, bien l'aménager pour vous permettre de vous concentrer, pour prier comme il faut dans les normes environnementales qui est vraiment requise sur l'avenue Suisse 40 bis à Lipen. Et là, vous verrez Madame Charlotte Moulacha qui est responsable, qui coordonne un peu. Et Madame Annie Kembe, mevez le meilleur à vous. Keren Antimbanda, Naomi Antimbanda, mevez le meilleur à vous. Boutique Jésus Laroc, Monsieur Pompom Pouy, mevez le meilleur. Et pourquoi pas aussi Maman Annie Moujani, Terrasse Blessing en face de Cardinal Maloula, Université, Émérance Zingou, Batbaye Bélé. Ça, c'est vraiment bien. Et je me limite à cette dame qui insistait tellement. Elle s'appelle Maman Boutchemouni, Honorine Boutchemouni, Protocole. Bien des bonnes choses à vous, Maman Protocole. Et pourquoi pas aussi Edi Moudia Ndambou. Voilà, toujours dans le cabinet, à Maman VEPM Vazéba Massoudi. C'est pour votre plaisir, hein, c'est comme ça. Allez, ça n'est fini. Hein, pour le président des architectes du Congo, M. Brunel Joseph Kibale Kananga, nous pensons aussi à vous. Alors, on va rapidement passer à notre deuxième rubrique, sujet du jour avec notre génie du jour, qui va donner des idées, il va donner des propositions pour l'avancement de notre pays, sans oublier Maman Céline Pembele, directeur reboisement et horticulture. C'est pour votre plaisir aussi. C'est parti.
Voilà, alors avec notre invité, on va procéder à quelques propositions. Vous savez, une année qui passe et une autre année qui commence. Il faut nécessairement dresser un bilan et vous allez commencer par votre mouvement des faits patriotiques. De son enfant, là, c'est un défi, un sentiment. Et le mot Nayo, une année après, et juste après cela, tout sur la maman Mboka. Et en après, quelles sont les propositions que vous allez faire comme ça pour Mboka Nabiso, tout soit élan et pour permettre à ces qui Congolais et Congolais, tout qu'on a beaucoup joué dans comme Kita, dans la Mboka Nabiso. Alors, et le Monayo d'abord. Et le Monayo, en tant que mouvement de veille patriotique, année 2021, ils ont dit pour Nabiso une année où tu concentres qui action a mis sur la sécurité routière. La sécurité routière, ce qui au Tali, même au niveau des Nations Unies, on dit que et Bélé à Batbazo fait chaque année l'accident balabala à la suite la circulation. Il y a un accident la circulation routière. Alors, tu lances une campagne auto-dénommée Sécurisons-nous sur la route balabala des Alilitate. C'est cette campagne que nous avons lancée, oui. Particulièrement dans la commune de Mongafula. Cette campagne a été menée par le mouvement d'éveil patriotique de Monayo avec la participation de nos amis de Comte à Ribourg, que j'ai salué en passant, notre ami Bernard Koumandja qui nous suit, et à Comte à Ribourg, avec toute l'équipe à Comte à Ribourg, on a lancé cette campagne. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le roi Tozo Bétali Solo est à bilan. Il faut dire que quelques avancées et ça l'est mis. On a vu, te déplorant qui n'a pas différents mémorandums, n'a pas te déposer au niveau de la Konzi. Mon Lili n'a pas balabala. Balabala, il y a ça presque. Mais on est gentil, Ningo Bila. Aussi, tout le monde a place pour ça, on est là pour. Oui, on a vu, il y a eu quelques avancées. Là, on doit féliciter. Tozo Bétali Solo est à bilan. Il faut louer le fait que. Manzela Moussous notamment. Non, éclairage public. Bâtir éclairage public. Félicitations, on va voir. Opérateur incriminé. CNV, bâtir éclairage public. Mais mingi. Et le Kotozo déploré, il a dit que Bazo ciblé, Babalaba, la Wana Aminene. Mais il y a Banzela Oyo, Ezo Boma Makasi. La nationale numéro 1. N'a pas su exemple, la nationale numéro 1, n'a tronçon bypass. Bandeko bazo fanda na ba commune mibale ya Mongafula na Selembao. Pas plus longtemps que hier soir, l'homme na bouti na niveau ya arrêt terrasse. On a le kiwana na kuti un cadavre par terre. Ba mosusu wa mimba ngo très rapidement na hôpital. J'ai les images ici mais ils sont tellement atroces. Ils na roule qui savent la télévision té hein. Ils ont des images dans ngo. Na le kiwana un peu en descendant. N'a coûté un camion remorque et télémi n'a balabala. N'a niveau ya arrêt régie des eaux, ce que nous comme et n'a niveau ya bachino, nous sommes toujours sur l'avenue bypass. Alors, c'est ce que nous déplorons. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer, mais tout quoi, mini nous on a approprié pour pas que n'a pas n'a pas n'a pas parce qu'il y a des morts, même avant cela, il y avait aussi. Effectivement, il y a un des cheval de bataille Nabiso, n'a habité dans Mbokoyo, na ville oyo. Est-ce que tout ça n'a pas conçu au bayo kaka? Parce que comment n'a pas tout baso koufa? Le Kamolobi, il y a réglementation, il y a heure, il y a circulation. Nous avons appris qu'Ezali n'a pas mesure au gouverneur Azoa à fixer Bami tout kamine newana et oui, que tambola na moïté. Batamboula, je pense, entre 22h qui nos 5h du matin. Est-ce que pas au respect? Est-ce que pas respecter Kayango? Ni au gouverneur Azo Sala. Pour nous faire respecter ma mesure naï. Non pas seulement gouverneur Yemoko, mais bourgmestre ya commune ya Mongafula. Ni nous Azo Kosala, pour nous Kosala était ba camion remorque. Je crois bourgmestre commune ya Mongafula. Na kutani na mbala ona na kutani na ça qui est na goya na commune photo sur l'anganaï. Et d'où le motif, il y a un peu de temps. Il faut que tu te souviennes. Je suis venu à la maison. Papa,
Nagoya, bon, mais c'est tout sous la pinza, parce que vous savez, les communes sont stratégiques. Hein? Bah, mon foule, vous voyez, Kozala, exposé dans l'Iwa à temps et à contre-temps. Mon lili, Zali, na bypass, mon lili. Pourquoi vous roulez na bypass, na boutouté? Non seulement problème, il y a mon lili, problème, il y a un engin. Poids lourd, basali qu'on circule à longueur de journée, n'a pas vitesse moko incontrôlable. Ils prennent quoi ces gens-là? Ils prennent pas Melani, bato. Mais vous pouvez imaginer, au coup d'abango, bah élargir zela. En fait, par exemple, ça mouné la mutukawana, et ça mouné nos bons basali. Vous savez, une fois là, on a créé un scandale, hein? Quand la bilokawana, mutukeza mouné né, mais mutuawa pour ça, on a dit minakati. Voilà. Et ils voulaient nous coincer, on a dit chauffeur na tika, on a kiti, on a dit papa, kita. Qui t'a annoncé, total à mouné l'eau, n'a mouné dans un jet. Mais papa, c'était terrible. Les messieurs à Kiti, moi, mon tombeau, mais moi, comment on s'en a l'air de nous, ça? Moutou, comme une moto. Mouné, la moutou, comme si on gagne, et puis si on gagne, on s'en a n'importe quoi en zéla. Et Sengeli, Bakonzi, à Kinshasa, basse responsabilité na bango. Et ça, ma camoué, oui, qu'au bon mois dans la ville, et ça, n'a pas ça un bon côté. Juste moi, rigueur, kaka. Ah, on a dit qu'on lançait un message. Na président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, honorable Godin Poi. Na équipe, na Mobimba. Ba meka kota la makamboy. Ba élargir, nzela ya bypass. Mais au beaucoup ta bande Mobimba, ils allaient occuper. Na ba camion remorque wana. Na ba na te su, il faut qu'on bénisse ba garage, ya circonstances. Bande Mobimba, ba télémi, le long de la route. Du coup, Nzela et Kondi, Mbalamoko est compliqué circulation, embouteillage au niveau première entrée à Cité Verte Ouana, pour supporter un moteur, c'est très fréquent. Pour nous, indiscipline yabakumbi dans Nzela et Batoué Kolambela Bango Bazate. Nous avons toujours proposé indiscipline yabak conducteur yabak poids lourd. C'est dû à quoi? D'abord, et vous voyez qu'on a une source de revenus pour les gouverneurs de la ville. Zambongo. Il suffit seulement d'imposer des taxes. Bakutimu Tukanayo, ils ont gêné la circulation à Balabala. Ba imposer une taxe faramineuse. Ce sont des sociétés. Bako discipliner ba chauffeur na bango. Bako zala ko télé mabité les mela moins attendre bazali ko télé malelo. Et de deux, bako zala ko tambola na ba vitesse incontrôlée, ne bazali ko tambola te. Il roule en pleine ville, bisera ba to bazali ko fanda. Mais na ba vitesse moko o et tout ami lobi zaki camion remorque moko na remorque musus ba tout ami na niveau ya arrêt terrasse et ça c'est insupportable, c'est inacceptable. Voilà, on est à monga fula cri d'alarme et à monga fula parce que l'accident mingi est enregistré non so ka ami tout camini no wana zo tambula na ndenge moko penza ko saranate surtout na arrêt terrasse na arrêt des eaux déjà. Tobis, c'est le on a déjà. Déjà deux morts. Ouais, l'obissou, il va déjà agonissant. Je crois qu'il va mourir. Toujours sous l'état, mais déjà, il a été mobile. Critique. Donc, quatre morts. Et tout ça. Mon beau, on a évité. Il faut dans mon thème. Et ils vous énervent. Et ils sont là, têtus, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils vont trouver le même comportement? Franchement, c'est parce qu'il y a. Impunité, Zali. Ceux qui basent qu'on sanctionne. Vous t'assurez tout ça. Ils sont t'assurés, ces gens-là. On ne sanctionne pas. Mais Zali Batou et Sengeli va sanctionner Bango. Ceux qui sanctionnent Zali, au moins les Batounions soient les Moutounions soient aux Onganzela. Mais ceux qui sont dans Mokoyo, Bakozi, Baebika, Kakozoa, Mibeko, Baebika, Kako décider. Mais Bazali Kosa l'a suivi, il y a ma décision, Bazali Kosa. Le gouverneur a décidé de dire Mitu Kamine et Tambola na Moïte. Mais na bypass, mi colonion sauve à Tambola na Moï. Est-ce que le gouverneur a un cabinet, a un représentant à la base, notamment le chef de quartier, le bourgmestre, il est toujours bête, c'est le bourgmestre Mopanga, il y a mon affoula. Le bourgmestre de la commune, Selimbao. Est-ce que le kaka a sanguin, il y a kaka yangote? Est-ce que la réalité à Balabala, na bypass, na route de Matadi, il y a un mot, il y a un mot. Il est toujours qu'on lance le cri d'alarme. Il y a bana monga fou la bana selembao bazali victime il y a accident wana à répétition triangle ya rompenga ba ekoma lokola un triangle de la mort boni boni na bato ba ko kufa bisika wana
ba mesure nini bazali kozwa to komaki na memorandum na biso to komelaki gouverneur ya ville to tindaki copie na ministre ya intérieur to déposaki memorandum moyen une copie na bourgmestre ya Mongafula. On avait proposé à ce que batonga ba dodan na ba descente nyonso ya nzela wana ya national numéro 1 na tronçon nango ya bypass babandi dodan moko batsali na première entrée ya cité verte baiko banda ya mibale liboso ya les eucalyptus tango uti cité verte zo kita babandi yango wana na te so ba constater ki babandi yango bien te basuki nango na katikati ya nzela. Il y a un déco ma cause ya embouteillage place wana. Ba chauffeur sur ba outil likolo, a kimi dodan na droite, a luki aya côté gauche. Du coup, a gêné ba obazo mata et créé malamoko embouteillage na balabala. Donc ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Descente outil arrive full, qui non a chambre froide. C'est une forte descente. To sengage te bata la bisika wana ba ti créé dodan. Ce qui est colonne armée pour la recommander triangle, c'est pratiquement la même situation pour la quartier de rond-point Gaba. Un danger permanent. Va créer ba dodan, va électrifier ba la bala ya bypass molili et sila parce qu'ils allient une cause il y a liwa pe ya accident na butu na ba tronçon wana nyonso. Ce qui nzele za na molili, ba to bakota mola mala munenge sengelite. One day za ki misala busala ki na 2000 les alliés campagne de Salaki en 2021, au-delà de cette campagne, il y a circulation routière, tout ça, une campagne, il y a citoyenneté responsable. Ça veut dire citoyenneté responsable, les alliés, que Zongi Sanamutu ya Congolais Nyonso, Mouimbo Kanyonso, Ayeba, responsabilité naye en tant que Congolais et Zanini. Tout ça, les lots, concept, il y a une nouvelle citoyenneté. Il va créer un ministère, il y a une nouvelle citoyenneté dans la cohésion nationale. Oui. Nous sommes là, en tant que mouvement d'éveil patriotique. Nous nous sommes appropriés, nous sommes là. Topé ça contenu, le Congolais, il y a contenu, il y a une nouvelle citoyenneté, et Zali, Nini. Le quoi, Nazali, citoyen, il y a quatre Namboka. Par nanga ya responsabilité ezani. Yango toza na slogan na biso na niveau elongo na yo tolobaka. La primauté de nos devoirs citoyens sur nos droits est le premier levier du changement de mentalité. Donc Congolais nyonso à mettre en avant ba devoir citoyen na ye, yambo à revendiquer ba droit. Donc ceux qui mutu nyonso à mettre en avant plan ba devoir citoyen naye ne koza la levier ya liboso et comme ma biso na changement de mentalité. Mentalité ko bongwa na te ce qui mutu nyonso à prendre conscience ya ba devoir citoyen ba devoir naye vis-à-vis ya mboka devoir liboso les amis devoir ya liboso ezali devoir ya patriotisme autres ali ko sala la campagne. Le premier devoir d'un citoyen, c'est le devoir de patriotisme. Et le Koloba, Olingambo Kanayo, Likolo na Nyonso. Olingambo Kanayo, Koleka Nyonso. Alors, Bolingo Yamboka. Bolingo Yamboka, c'est la Randengeni. Moutoua Lingimbo Kanaye, Akolia Bitabe, Aboki Posona Balabalate. Et ça va m'aider à me négliger. Moutoua Lingimbo Kanaye, akomela mai ya bwaki mulangi na balabala te. Moto alingi mboka na ye, akozala na fonction publique, azali ko detourne mbongo te. Neti sujet moko na yo ki, oyo to landi, je pense que yo po landi yango na ba réseaux sociaux, guerre ezali ko salema médiatique entre Marcelin Bilomba, conseiller principal à chef de l'État, na honorable Alphonse Ngoy Kasange. Na mboka nini oyo, oui komona, conseiller principal, il y a président de la République, Azali Kofinga, un député. Voilà le niveau le plus bas au Yobakiti Simbo Kanabiso Lelo. Conseiller principal, Azu Micro, Azali Kofinga, un député national. Ponanini, parce qu'il a tout simplement accompli devoir naye ya contrôle, ya ko contrôler action ya gouvernement. Mais les camoufleurs ont le bien bon moyen de mentalité.
devoir tout celui qu'on révèle à patriotisme. Un patriote et Seigneur la Yébete. Allez, bah, comme ça, la distinction, tant que vous allez dans la fonction publique, entre Missolo et l'État, na poche na Yemoko. Nous apprenons, par exemple, Bakaye Kotonga, école Moko, parmi les 6 écoles de Tonga, Mina Kassai Oriental, école Moko a coûté 3 600 000 $. 3 600 000 $ pour une école Moko. École. Nous avons une école à Moko. Ils ont atteint à Gombe. To eza école ya lolengeni. École mo sala nene. Papa. Eh mo bonga maravien. Mais nene nazomi tuna. To e bonga maravien. Alors que na Kinshasa awa tout est kolanda. Honorable vice-président Assemblée nationale, via Assemblée nationale, a tongi école moko na Kisenso avec tous les équipements à $350 000. Bon, lelo lisolo nazo ebisayo awa ya conseiller principal ya président de la République. Oazo finga député national. C'est parce que le député a tout ni baloukabaye ba clarifié comment construction et école moko et qu'il a coûté $3 600 000. Wap na mbujimaï. Est-ce que c'est normal? Nema kamutozo loba, un véritable patriote, wazali na devoir ya kolinga mboka na ye, akosala mosala pour na kosungete mboka ekende liboso. Bato bako bota malobi, bano bako kola lobi, bako tabilembo na biso bato to biki lelo. Nini to sali, pona kubungisa, mboka pe makambwe kende liboso. Voilà, ça c'est bien. Résultat quand même, bosu résultat ni. Mais résultat, il y a campagne to zali ko sala. Oya biso moussala, ezali ako denonce, ezali ako pe satoli, et ça la promotion dans la mesure de nos moyens. Moi, mouke na ebisio, ya liboso, na campagne ya sécurité routière, tomoni, moi ba minde bandi ko tchama nanzela. Ya mi balé, tomoni, moi ba dodan e bandi ko sali mananzela. C'est le minimum que nous avons vu. Ya mi sa tout, je pense que nous avons été, comme on a ministre ya jeunesse, pré nouvelle citoyenneté na cohésion nationale, que je salue en passant ceux qui alandaka émission na yo. Honorable Yves, Excellence Yves Bonkoulou, qui nous avait reçu dans le cabinet Naye, tobe tali naye masolo ya nouvelle citoyenneté. Et sengeli lelo, to concevoir un guide ya nouvelle citoyenneté congolaise. Oye kozala interprété na ba langue nyonso ya mboka. Oye kozala distribué au fêlé na ba école, na ba église. Ba Congolais nyonso uta bomwana ayeba contenu ya nouvelle citoyenneté ayeba ba devoir na ye vis-à-vis ya ekolo ayeba pe ba droit na ye vis-à-vis ya ekolo o azali na yango ezali ba proposition to sala ki epa ya ministre na biso ya jeunesse pe ya nouvelle citoyenneté ki no lelo na niveau elongo na yo comme c'est un travail que nous faisons en interne toza na projet na biso o tozali ko mûrir ezali ko zela ba sponsor ba to azali na misolo ba ko sunga biso Natinete, to mettre yango à la disposition ya grand public bato nyonso baeba yango ki non na arrière pays congolais nyonso ayeba quel est le guide congolais de la nouvelle citoyenneté et de la cohésion nationale. Voilà, merci beaucoup Jackson Kabamba. On est à mouvement d'éveil patriotique Elongo Nayo misala au sein de 2021. Si vous avez un génie du jour, génie du jour un bio et na génie tout une grande proposition concrète. Pour nous, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, qu'est-ce que vous pouvez donner comme peut-être proposition dans le point par point, mais moi je crois que vous êtes aussi juriste de formation, n'est-ce pas? Dans le fond, on a mis un appareil judiciaire en Abisso, hein, en tant que tel. Nous avons une proposition, nous avons un peu de temps, nous avons état des droits. Hein, parce que la juriste, est-ce que vous avez des propositions à faire? Est-ce que justice Nabisso? Justice Nabisso, na Mobu et Leki, c'est vrai que ils ont toujours moi bilembo, il y a démarrage, il y a bon fonctionnement, il y a justice. Mais il y a encore des sérieux problèmes. Bilembo tozu ezali nini?
On a vu Makambo ezali ko salimate lobby. Ba oui ko bengisa un ministre en fonction. Ba bengisi na parquet a kei ko répondre. Ba oui ko bengisa un directeur d'une entreprise ya portefeuille a kei pe a répondre. Ba mususu ba kangemi, ba mususu ba sambisi bango, ba mususu ba condamné bango. Pe ba mususu si ma ba condamnation, ba zu ba grâce pe ba bimi na na boloko. Et ça qui moi bas signaux où ils allaient couper ça espoir. Ce sont des signaux forts, des signaux forts. Évidemment, des signaux forts où ils allaient couper ça espoir. Na comment on a que indépendance, il y a justice et paix s'améli. Mais il faut retenir une chose, Ndeko Doudou Montiré. La justice est le socle de l'état de droit. La justice, c'est même le socle de toutes les vieilles démocraties autoyebi et de toutes les économies émergentes. Et cela s'applique comment dans notre pays? Nambo kanabiso lelo, nous avons vu une édition, bah signaux forts et pesamaki. Mais il y a aujourd'hui quelques inquiétudes. Tomoni bato ba condamné bango na justice pénale parce que ba yibi misolo ya l'état. Oui, condamnation et pesameleza malam. Mais mi solo yango e yibamaki ezali wapi? Donne-moi mouli le koti. Est-ce que ezongi na trésor public? Mouli le koti. Kaka ndengo zali koloba yango. Pona yo. Parce que na tuni mouli le koti tonne. Na zali ko yanola yo na kolobete. Nécessité, importance ya justice ezali ya ko rétablir ordre social o ezala ki violé. Ezonga na bisika na yango. Mais ceux qui m'ont condamné Moutou, parce que par exemple a détourné $1 million, et Sengeli, trésor public, azala en mesure y a qu'à récupérer $1 million ou un an. Mais qu'aux ala avantage, oh y a qui va le bien c'est justice, c'est allé qu'au tombola, quitte à école. Donc mon lit est côté, non mon lit est côté lieu. Non mais non mon lit est côté malamo. Si vous pour mon lit est loin, pour mon lit est loin des piles. Et Sengeli, Mokozi Amboka. Abeta loboko na mesa. Abeta loboko na mesa. Parce que les lois justice ezo tambola malamu te pona nini. Ezali toujours na certains individus. O bazali ba animateur ya justice yango, ne bazali ko constituer obstacle na bon fonctionnement ya justice yango. C'est notamment na ba problème ezali ko gangrener yango le kola ya corruption, le kola ya concussion. Tu as dit qu'on paie sa proposition en tant que génie, le rôle de mission dans les arbres à proposition. Génie Congo, oui. Tu le bien, tu es. Bazon isana mibeko, il y a un magistrat, va revisiter la loi organique, il y a un magistrat. Vous avez dit qu'on prévoit arrêter. Ceux qui va condamner magistrat, moi qu'on a pris à partie, et c'est qu'il va révoquer, abimanakati, il y a magistrature, il y a un sous-magistrat. Ok, et ça l'a voilà, et vous sunga, bah sousou, et vous pensez ndakisa. Et vous pensez ndakisa. Ce qu'on met qui, aussi problème. Parce que Kala, Namibé, qu'on a mis chez Zalaki, ceux qui va condamner magistrat, moko na prise à partie. Mbalamoko va révoquer, aza sous na droit, aza dignité. Parce que professeur y a ba magistrat, professeur y a justice, et zali profession moko y a ba noble, y a ba tout bazali digne de confiance. Alors, n'engeni n'touri ko. Longo la corruption na milieu à justice proposition à Liboso et alliés bazongi sa na mobeko ya ba magistrat et ceux qui va condamner na prise à partie aux candidats na révocation place na yo na kati ya magistrature et alité des deux ba renforcer mécanisme ya sanction na niveau ya conseil supérieur ya magistrature ça veut dire ba dénonciation ça les maka. Au moins, nous avons dit que nous avons un dossier. Nous avons réservé une copie de la consignance. Mais la consignance a besoin de dénonciation. Nous avons besoin de dénonciation. Il y a justiciable. C'est ça que nous avons dit. La consignance a renforcé le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, a renforcé le mécanisme de sanction, de discipline en interne, de plainte. Dans l'organe disciplinaire, il y a un magistrat. Comment est-ce qu'ils allaient réglementer? Est-ce qu'ils allaient l'an de la Kayango?
Donc ils ont le système qu'on a baguette banco ibalia n'a raté. Et si là? Et si là, et c'est les si là. Na niveau à cour de cassation. Bisika ba funda ka magistrat na prise à partie. Au moment la magistrat ba 100,000 lelo, ba dossier ba zuwa en délibéré, ba fandeli yango. Bozi là ba prononcer ba dossier ya prise à partie. Et voyez que ça moula moko moula mi balé ba prononcer ka yango te. Pourquoi? Et ça le col la système autre, c'est-à-dire que le bas avec nkoyalia ka nkoité. Azali ko bater la nana kuna nakati. Et du coup, impunité et koko bana ko croître. Proposition à Misato, ils allaient être gouvernement, l'État, et Sengeli a assuré une prise en charge responsable, il y a un magistrat, un agent Nyonso, il y a un service judiciaire. Bas à la salaire beaucoup descend, bas foot à manandenge le ngobani, natinete moutou à la foot à malam, vous allez vous permettre à vivre dans les meilleures conditions de Sikanyon sur Batindi. Azala à mesure, il y a qu'à produire les meilleurs de lui-même pour que nous avons justice yamboka. Voilà, alors maître Nabengi ou maître, pour vous appeler maître avocat, maître Jackson Kabamba, on est à un niveau, il y a justice, kaka, au salalision, mais pour le reste, tout le monde a reçu qui s'en a pour moi, dit qu'on a sécurité, dit qu'on a maquillé à martyr Nabissou. Tout ça est dans mon bien que le 4 janvier c'était déjà passé, mais est-ce que les lois, souveraineté, ou a pas au caillou, au martyr, la bisou, ma kila, la langue est en gars, est-ce que les lois, tout ça est pour battre les cours dans la bisou, tout ça est pour les macambo, vraiment au sérieux dans le sens soi, pour tout ce qui s'est mis sur la bisou. Merci beaucoup. Ezali, un élément très important, est-ce que le martyr, la bisou, va être honoré? Je ne sais pas dire oui, parce que ils ont un macambo et bien. Bah moi, la semaine dernière, nous avons un bango du bosso dans l'ayah. J'ai dit Congo, ça l'a déjà bango. Alors, une pensée vraiment pieuse à l'honneur y a bah martyr Nabiso Nyonso. Mais est-ce que Bazali honoré? Nani est signé là honoré bango Bazali Yonangai. Y a autre pays qui cambouille à co-concevoir un guide congolais. Il y a une nouvelle citoyenneté dans la cohésion nationale. La cohésion nationale suppose quoi? Elle suppose le vouloir vivre ensemble. Congolais wazali na Beni, na Congolais wazali na Katakokombe, na Congolais wazali na Mwanda na Tchela, bazala na likanisibo moko. Koyebete biso nyonso toza ba Congolais, ceux qui wazali na Tchela yo kete na Beni muto azolela, ayoka pasi na motema. C'est le problème que nous avons. Bon, aujourd'hui. Dans Moussika. Donc, Tozali éloigné. Est-ce que Moussika? Voilà. C'est qui vous. Tozali éloigné. Je connais un martyr, Nabiso Bakoufaki. Natine était Tozala Lissanga. Ozala na gauche, Ozala na droite, Ozala na nord, Ozala na sud. Tozala Biso Nyonso, Batomoko, Tozala Sika Moko. Et c'est un lito Bundalelo pour toi arracher totale indépendance Nabiso sur les plans économiques. Parce que depuis l'indépendance, qui n'ont les lots. Économie, Nabiso est extraverti. Tu as dépendre de Libanda. Sur le plan sécuritaire, il y a des sérieux problèmes avec notre armée. Tu as dit à la mesure, il y a qu'on formé et à l'efficace. Tu as dit que MONUSCO a été na est bazole là. Le lot tu na lisungi abandeko ba uti Libanda pour combattre ba EDF. Et c'est tout ça le problème. Est-ce que tu as réellement indépendant? Et c'est un peu travailler pour nous affirmer davantage l'indépendance de Nabiso vis-à-vis de la banine de Zali, Zinga Zinga Nabiso. Alors, adresse à vous, nous avons dit, surtout dans votre banine, puis vous avez dit, mouvement d'éveil patriotique, Ilungu Nayo, est-ce qu'il y a une adresse, un numéro de téléphone? Il y a solo, et le mouvement d'éveil patriotique, Ilungu Nayo, siège Nabiso et Zali, dans la commune Yagombe, sur. L'avenue Polo Maurice, numéro 37, au sein de l'immeuble Triangle d'Avier, Tozali Wana. Numéro Nabiso à contact, Tozali 089-95-1960. Pour la bande de communions, on va contacter Biso pour nous accompagner dans ce grand projet. Tozali Nango, il y a rédaction, il y a guide congolais, il y a une nouvelle citoyenneté dans la cohésion nationale. On va contacter Biso dans le numéro Wana. Et sur Facebook, Jackson Kabamba, sur
Facebook toujours et longo nayo pour y contacter biso kotike la biso un message. On peut nous rencontrer à tout moment pour nous accompagner biso ensemble dans la lutte au Tozali commune sur terrain. Merci beaucoup Jackson Kabamba na nouveau président biso Tango. On dit qui cause la génie na biso lelo. Je crois prochainement que ça va sous appel nao. Ngai pe na remercier pour l'invitation nayo. Ceux qui ont bien biso malasi mato ko hésiter te ko. Et plateau mon on est. En tout cas, plateau dans ce pays, dans mon macas. Pour le voyage Gabon, vous voyez. Dans ce pays, dans mon macas, dans mon Yézali plateau. Dans le voyage. Au bas qui est là. Et c'est qui ça, on va mettre délivrance. Dans le voyage, il y a délivrance. Plateau délivrance. Parce que plateau, il y a Kala. Tout ça, il y a moi, Coco, Somo, Moulungé, Zalaki. Mais là, on a télévisé dans le Lenga pour nous sentir vraiment que. On a senti vraiment que Zalaki délivrance, macas. Dans ce pays, il y a vraiment bon vent. On a Bakonzi, il y a CCTV. Je suis allé à l'école de Raphaël Kibuka. Vraiment, coup de chapeau à vous. Et vous allez encourager la réforme que vous allez mener à la CCTV. Et Mataye, tout le monde, qui est en train. Merci beaucoup, Jackson Kabamba. Merci, maman Karine Bébé. Mali, même Cameroun, à Zoukogaté, à la Tivest. Merci, Hérité Toubilandou, Mouron Djambé, Lenka Bongo, Romain Makonda, Jiréa Mboka. Dieu merci qu'il faut rendez-vous demain à 10h30. Portez-vous bien. Et ciao, que l'Éternel vous protège.